Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien malgré le confinement. Je suis chez moi, dehors, j'ai la chance d'avoir un petit jardin et on va réaliser le PQ Challenge. Ouais, j'ai bien dit PQ, le truc qui vaut plus cher que mon vélo en ce moment, que les gens s'arrachent. Ouais, j'ai réussi à en avoir, donc on va faire quelques petits défis pour s'occuper pendant cette période un petit peu compliquée. Quelques défis avec le PQ version vélo. En ce moment, ça buzz avec des jongles, par exemple 10 jongles. Je sais même pas si je sais les faire d'ailleurs, j'essaierai, tiens. Mais nous, on va le faire avec le vélo, plein de petits tutos. En ce moment, sur mon Insta, je partage 3 levels déjà, je vous ai déjà montré, mais là, je vais en faire plein. Ce sera à vous de les réaliser à la fin de la vidéo. Et puis bien sûr, tout ce que je réalise là, on va le faire tranquille. Le but, c'est pas de se blesser, de pas encombrer les hôpitaux, tout ça. Donc vraiment, si vous le sentez pas, je tiens à préciser. Là c'est le petit moment, restez surtout à la maison pour faire ce tuto et faites attention. Là je vais mettre un casque, je vais me protéger, je vais faire attention, c'est des trucs que je maîtrise. Si vous pensez que c'est dangereux, ne l'essayez surtout pas. Alors j'ai récupéré tous les trucs de mon jardin, tout ce qui traînait pour pouvoir faire cette vidéo. Donc là je vais vous montrer, regardez. Bon, j'ai mon enduro, j'ai pris aussi le street trial pour pouvoir faire des petites variantes du défi. J'ai trouvé une palette, je pense que ça va me servir. Il y a une brouette mais ça je suis pas sûr. Il y a un ballon de foot, il y a l'ami poney. J'ai pris un pneu, peut-être qu'on va pouvoir faire un truc à, genre comme une cible avec du foot. Et j'ai aussi du WD-40. Je vais vous offrir un kit complet. Ça sera un jeu concours sur mon Instagram pour gagner un kit complet avec du lubrifiant, du nettoyant vélo. Je crois qu'ils vont rajouter même un sac de sport. Enfin plein de trucs. Bon vas-y, les 10 jongles, est-ce que je suis déjà capable de faire 10 jongles avec un PQ en mode footballeur? Ça va être le plus dur défi pour moi. Ok, yes, ça commence bien. 1, 2, 3, 4, 4, allez, plus que 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pensais pas y arriver honnêtement. J'ai déjà défoncé le PQ. Maintenant on passe aux choses sérieuses. Le PQ Challenge en mode vélo. Let's go. D'ailleurs dans ce carton là, il y a un truc qui est juste énorme. Regardez ça. Ça pèse 270 kg. Le livreur il m'a appelé, il m'a dit ok, j'ai un carton pour vous, comment on fait? Bah je lui ai dit pose le devant chez moi. Je pourrais pas le bouger en ce moment donc laisse le là. Je sais pas si vous avez déjà deviné ce que c'est. Je vous laisse marquer dans les commentaires si vous avez déjà imaginé. Je vous fais un petit zoom juste sur la marque. Je pense que les connaisseurs pourront trouver. C'est à l'envers en plus. Pas sympa avec vous. Du coup le premier défi je vais le faire avec l'enduro, comme ça tout le monde pourra le faire avec son VTT, son BMX. Le but c'est que les exos ils vont monter crescendo de plus en plus dur. Donc là on va essayer le PQ challenge que vous avez proposé sur Instagram, c'est à dire des déplacements de la roue avant. J'aurais besoin de 4 PQ et le but c'est de faire un déplacement, faire tomber un PQ. Je vous montre ça maintenant. Ça va toi? Coucou. 1, 2, 3, 4, ok. Et le but ça va être d'arriver là, faire un déplacement, faire tomber le premier, faire tomber le deuxième, faire tomber le troisième, etc. Ok? Let's go pour le premier défi. Yes! Du premier essai. Maintenant qu'on est chaud avec les déplacements de la roue avant, on va faire pareil mais avec la roue arrière. Et ça, pour l'avoir déjà essayé, ça va être très chaud de le réaliser du premier coup. On va voir si j'y arrive avec un peu d'entraînement maintenant. Le perfecto, c'est faire un déplacement, un shoot. C'est parti! Nope. Raté du premier coup, j'ai touché les deux derniers. Il manquait pas grand chose. Deuxième essai. Nope. Là j'étais parfait, j'ai essayé de prendre le temps et tout. J'ai accroché les deux derniers. Faut être super vigilant sur les derniers parce que vu qu'on a des grosses roues, souvent ça balaye tout. Bon, je pense qu'on n'est pas très loin là, je vais y arriver. Ah merde. Voilà. Bon, là je viens de valider, c'est pas le perfecto. C'est pas celui que je voulais faire. Vous avez vu, j'ai fait des rebonds dans le vide. Je vais essayer de le refaire une dernière fois, mais vraiment perfecto. Là je commence à comprendre un peu le mouvement. Faut bien servir des suspensions, c'est pas facile. Je pense que j'aurais pris le trial, ça aurait été beaucoup plus simple. C'est pas grave, le but c'est d'y arriver. Nouvel essai. Nope. C'est pas le perfecto. Allez, j'arrive sans déplacement. Allez, on y retourne encore, ça va passer. Voilà qui est fait. Ça, boum boum, tous par terre. C'est grâce à qui? C'est grâce à maman, les poussées de maman. Oui, sur la langue. Oui. J'ai des supporters pour mon défi.
Allez, on va passer à un nouveau défi, c'est parti. Vraiment chaud ce défi, j'ai hâte de voir ça. Partagez-le sur Instagram, identifiez-moi. Honnêtement, je l'ai pas réussi du premier coup, vous avez vu. Ça a été très chaud, je pense qu'avec le trial ou un VTT rigide, ce sera plus simple. Bon, nouveau défi, on va passer un truc en wheeling pour commencer. Ça va être le slalom, tac tac, droite, gauche. Un bon exo pour travailler sa maniabilité en wheeling. Je pars du fond là-bas au pot de fleurs et le but c'est d'enchaîner les 4 comme ça. Si je suis chaud, j'essaierai un retour et repartir dans l'autre sens. Pour l'instant, je fais l'aller, on voit ça, c'est parti. Pas facile celui-là. La même, mais sans les vieux déplacements que j'ai fait en roue arrière. Là, j'utilise trop mes bases de trialiste. Je veux vraiment le faire en vrai, vrai wheeling. Voilà. Ça que je voulais. Bon, je vous avais parlé du retour, on va essayer. Le virage, je le maîtrise pas trop, donc on va voir si j'arrive à faire un vrai virage sans sauter en mode trialiste. Je veux faire l'aller-retour déjà, on verra. Allez, je suis là. Bon, là, je triche. Je fais le trialiste pour le premier essai. Avec des rebonds, c'est validé. Mais alors vraiment, en mode bike life, là, ça va être compliqué. En pédalant, on est dans du gravier. J'ai un peu peur que ça zippe. Je pense qu'il y en a qui vont réussir. Mais bon, pour moi, c'est pas mon point fort, donc je vais essayer. Ah. Bon, ce défi-là, je le laisse à la communauté bike life. Vous essayez ce défi, je veux vous voir. 4 rouleaux de PQ, allez, retour. Là, vous voyez, c'est pas très large, hein. J'ai 4 mètres de large, donc le virage, je peux pas le prendre très 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 large, donc ça qui est chaud. Ça m'a donné une autre idée, vous me l'avez partagé, il y en a déjà qui l'ont fait. C'était le même défi, juste l'aller, mais en manual. Manual, ça veut dire sur la roue arrière, mais sans pédaler, juste avec l'élan. Donc je vais essayer de le faire. Il y a pas beaucoup d'élan, la porte est fermée là-bas. Peut-être en partant des escaliers, ça me donnera un peu d'élan, je sais pas, je vais voir comment je fais pour prendre l'élan. Et j'essaye les 4. Après, faut pas que je m'emballe, parce qu'il y a la caméra ici, donc je risque de vous rentrer dedans. Allez, on essaye le manual. Voilà. Défi manuel validé. Eva, elle prend le biberon. T'as eu 7 mois hier. Eh oui. Il y a Mia aussi, le chat. Elle a Mia, regardez Mia. Eh oui. Est-ce que t'as un nouveau défi à nous proposer? Enfin, à me proposer, mais ce sera la communauté qui va devoir essayer. Tu veux que je fasse quoi? Tu mets les 2 rouleaux de PQ dans les oreilles du poney. Et j'essaie de les éclater. T'essaies de les... Comme sur mon TikTok que j'ai fait. Ouais. C'est vrai que je vais prendre le street trial et je vais faire un foot jam whip pour les enlever. Je vais essayer. Change de vélo, je prends le street trial. Le jawim, c'est ça. Ça, hop, et je replaque. Et pendant la rotation de la roue arrière, il va falloir que je touche le PQ et l'éjecte. Allez. J'arrive là. Je fais ça. Je pense que là, on serait pas mal. Oh, il y avait de l'idée. J'ai un peu tout envoyé en l'air, mais on n'était pas loin. Ah non. Ah. Wow. Yes. Wow. Yes. Yes. Perfect celui-là. Yes. Ah. Il était parfait. T'en fous. Mange la compote. Alors là, je suis parti sur un défi complètement fou de trial. Le but, ça va être de shooter le rouleau qui est juste ici et l'envoyer dans le pneu qui est juste là, en mode football, trick shot. Je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra, je sais pas si ça, si vous allez voir le PQ partir, mais je teste. Mia, tu vas tout faire tomber. Ah bah, oh, 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 oh. Faut l'arriver plus vite, quoi. Ah, bon bah, je sais pas si la roue arrière c'est la bonne solution. Peut-être qu'avec la roue avant, ce sera plus simple. Genre, si j'arrive là, c'est un déplacement pour prendre l'élan, et bam. Ah. Oh, pas loin, là il y a quelque chose. Oh là là, proche. Ça là c'est la bonne. Yes. Oh, shut down, big shot. Oh, il était magnifique celui-là. Je croyais pas que c'était possible. Là, franchement, si vous avez kiffé, max 2 pouces bleus, les gars. Yes.
la prière. À vous d'essayer, franchement, magnifique. Vous avez le droit de le faire avec une catapulte, avec ce que vous voulez. Le but, vous prenez une cible, un panier de basket, un pneu, ce que vous voulez, et le faire rentrer dedans. Oh, je suis trop content. Bon, là, on commence à être dans un sale état de PQ, là. Ça commence à partir un petit peu en vrac, c'est plus très solide. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est un petit défi où j'arriverai à le dérouler. Je me suis dit, j'ai les deux sprays de WD-40 que vous allez pouvoir gagner, et j'ai celui-là qui est flexible. Du coup, je vais essayer de le mettre dedans, mettre l'autre comme ça, et je vais essayer avec la roue avant ou la roue arrière de le dérouler. Vous savez que la roue avant, déjà, je pense, c'est le plus facile. Normalement, je fais ça, et... Ok, il y a moyen. On a l'idée là, dérouler tout ça. Le but c'est d'arriver donc en manual, quand on saute sur la roue arrière, de faire tourner le plus vite possible votre roue avant. Et juste en frôlant légèrement en fait, ça va le dérouler. Allez, ça repart. Yes. J'aurais quand même réussi à dérouler tout ça en un essai. À vous de faire mieux, ce sera le défi. Pendant que je le renroule, je propose le nouveau défi, ça va être exactement le même, sauf qu'il va falloir le dérouler avec la roue arrière. En gros, je vais arriver en stoppie, pédaler très fort dans le vide et essayer de frôler le PQ pour que ça le déroule de la même manière. Allez, essaye ça, c'est parti. Je suis sûr que ça peut marcher. Je vais bien caler les bouteilles, comme ça. J'arrive là. Ouais, pareil, j'ai peur que les bouteilles elles tombent, c'est pas grave, on essaye. Ah, ça va être chaud. Non, en vrai c'était trop chaud. Le truc c'est que ça tient pas en fait les bouteilles. Il faudrait que je me fasse un petit système genre vraiment fixe dans le sol. Ça a pas marché, tant pis. Essayez chez vous, proposer des nouvelles inventions pour faire ce défi. Le déroulé de papier toilette challenge pour être sympa. Bon, en tout cas voilà, c'est pas un placement produit pour WD-40, c'est juste un partenariat à l'année. C'est officiel maintenant, ils me sponsorisent cette année. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'ils m'ont appelé ce matin pour me dire, écoute Aurélien, c'est la crise là, c'est la merde pour tout le monde, on va prendre une claque, mais on veut vraiment te soutenir cette année, ça va pas changer. Il y aura une vidéo officielle qui sortira pour WD-40, je vous ferai gagner un voyage en Australie, là j'ai teasé une grosse vidéo, mais en tout cas, pour l'instant, c'est juste un PQ challenge ordinaire. Donc déjà, si ça vous plaît, franchement, mettez un gros pouce bleu, et surtout, je compte sur vous, si vous voulez un épisode 2, marquez dans les commentaires des propositions de défis à réaliser. Par exemple, on a encore plein de trucs à faire, un bunny up, enfin voilà, bref, c'est à vous de me dire, marquez dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous voulez un épisode 2, on a encore un peu de temps, on est confiné. On passe à un nouveau challenge. Et c'est parti. C'est un défi à la con, mais vous allez devoir faire le tour de votre jardin avec un rouleau de papier toilette sur la tête. Et vous voyez, c'est déjà chaud de tenir, donc est-ce que j'arriverai à faire le tour de la cour? J'essaye, c'est parti. Alors, je me positionne. Je vais essayer de trouver un endroit à peu près stable. Voilà, là. Ça a l'air de pas trop bouger. C'est parti. Ça fait chaud. Oh oui. Allez, jusqu'au bout. Je pensais pas y arriver. Ah mais il est tombé, c'est à la fin, c'est bon, c'est validé. Et... coupé. Prenez soin de vous, prenez soin de notre famille. Surtout, ces défis-là, soyez en toute sécurité. Portez un casque, des protections. Si vous le sentez pas, ne le faites pas. Et puis on se rejoint sur Instagram pour le petit jeu concours des produits WD-40. C'est l'heure du bain, Eva, maintenant. Allez, on va prendre le bain. Tu cliques sur la tête d'Eva, comme ça. Tu t'abonnes, un abonnement, une compote pour Eva. Oui. Allez, prenez soin de vous. Ciao.